les gens voient que les jeunes soussous, plein de jeunes soussous maintenant, s'en prennent au Kuntigi de la haute Guinée, au Sotikemo de la haute Guinée. Et ça leur fait mal. Sosé nanam falama, benira kaba ibradema, ilama ira kontofili seira dinde nana. Ima nyongon iseira dindema. En soussou, au lieu d'être impressionné de l'endroit de ta suite, tu dois t'inquiéter là où tu as trébuché. Là où tu as trébuché, la faute vient de là-bas et non de là où tu as chuté. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Votre chien enragé, votre chien... ça suffit. Un vieux qui se met sur les réseaux sociaux à insulter tout le monde. Au nom de quoi? Parce que personne n'a le droit de parler du président de la République de Guinée. Personne n'a le droit de parler de celui à qui on a confié la gestion du pays. Personne ne doit parler de lui. Dès que tu le critiques, à ce qu'à Facebook... Non, à Facebook, mon créer, nous, il y a des maudits dans ce pays-là qui n'auront même pas un bonjour à adresser à quelqu'un. Réfléchis à cause Facebook, les lives doivent être payés, même à 1000 francs. Il y a des gens qui ne pourront pas faire des lives. Il prend son téléphone, il a manqué le respect à tout le monde, moi y compris. Mais moi, tant que mon classe, qui est Moumi Abima. Il nous l'a mis en classe, il a classe qui l'a mis à Bima. Il m'a narré bien critiqué, il m'a seulement condé. Il m'a mis en Sarouma. A mis à Bima, il ne va pas te répondre. Parce que tu es maudit, tu n'as pas notre niveau et on n'a pas. On ne peut pas t'écouter même. Il a tout, j'ai écouté sa vidéo parce que Djaroul, parce que c'est un jeune que je suis, lui il est objectif dans ce qu'il fait. J'ai écouté un extrait là-bas. Mais. On nous respecte manquer la mérite, mais vos parents qui sont là-bas, les gens vont s'en prendre à eux, et tant pis. Je sais que le Sotikemo de Kankan, personne ne le connaît d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un qui est sage. Il n'est pas dans ces choses-là. Mais, s'il manque le respect aux parents des gens, on va lui manquer le respect. Parce que lui, c'est un petit. Lui, on ne le considère même pas quoi. Il n'est pas un être humain. Le sotique qui est moi de Kankan qui est un être humain, c'est à lui. On va envoyer l'ascenseur. Parce qu'il est de Kankan. Il est connu à Kankan là-bas. Là. Ce n'est pas sa première fois. Et la Serouna, ce n'est pas son ami. Nous tous, on a critiqué Ela Serouna ici. Il n'y a pas un jeune Soussou qui n'a pas critiqué Ela Serouna ici. Mais on ne l'a pas manqué de respect, on ne l'a pas insulté. Il n'y a pas une communauté qui a critiqué son Sotikemo ou bien son Kuntigi, qui est Ela Serouna. Il a été trop critiqué. Trop critiqué. C'est lui qui est parti chez Alpha Condé. C'est Alpha Condé même qui est venu demander son aide chez lui à Bouramaya. Il a accompagné Alpha Condé en 2015. Mais il a vu que c'est quelqu'un qui manque. C'est quelqu'un qui ne respecte pas ses propos. C'est quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements. C'est quelqu'un qui passe tout son temps à tromper les gens. Il s'est retiré. Il n'accompagne plus Alpha Condé. Il a mené ce combat contre le troisième mandat. Il a mené le combat. Mais c'est fini. Ils ont fait passer ce troisième mandat par la force. Qu'est-ce que vous voulez maintenant qu'ils disent? Il dit qu'Alpha Condé doit se comporter maintenant. Il doit relâcher les gens, les prisonniers. Comme il a forcé, il a passé. Tant mieux. Dieu l'a choisi maintenant. Qu'il continue à gérer, mais qu'il laisse les gens en paix maintenant. Il a peur de quoi? Est-ce que ça, c'est un crime? Et le maudit là, dit Barima Talari, a un téléphone Tongoma, parce qu'un homme en Antuna, adore, il manque le respect aux vieux. Nambi, ça fait qu'un cansoti qui est mon frère à Rourou. Et c'est sa famille qui va avoir marre. C'est sa famille qui en aura marre. Alpha Condé, il s'en fout de lui. Alpha Condé s'en fout du Sotikemo, affaire du Sotikemo. Parce qu'on l'a vu ici. Mais il y a des gens qui sont là. Il y a des Alpha Condé qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Mais il y a des gens qui sont là. Alpha Matouiki,
Ana so ana bendu ana bendu naik. En soti kemo. C'est quelqu'un qui ne connaît que son intérêt. Et puis quel intérêt? Alpha Condé a quel intérêt maintenant quoi? Quel intérêt? Un vieux fatigué qui n'a plus d'avenir. Il peut voler quel argent? Ça va lui servir à quoi? Il veut quelle souveraineté? Il a forcé. Agile mire fora son nom. Agile fora. Haomo ha bare masou. Haomo ha bare masou kankan. Oura louti sa mo oura akhirina. Ha fata komiti de. Ha fata respect manke de merima. Dites-lui de manquer le respect au sotikemo de kankan. Dites-lui de manquer le respect au sotikemo de kankan. Vous avez vu? Les jeunes maintenant, les Diaroul, ils ont globalisé. On dit maintenant les malinqués. Et pourtant, il y a des malinqués qui ne sont même pas pour Alpha Condé. Mais qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Amar Fafa, respect manqué. La plus haute autorité de la basse-côte, il vient manquer le respect à ces derniers. Mais tout ce que les gens peuvent, c'est de manquer le respect à la plus haute autorité de Kankan aussi, du Mandeng. Coup de cœur se paye par coup de cœur. Et nous mirons de Baba Kobi Kombi, et en Baba Fanya ne a Fanan Kumima, Nagere Munana. Car, Wakolon, il y a une chose qu'il faut retenir. Ce chien enragé là, il va rematalarina en Iki. Il n'agit pas comme ça parce qu'il est soutenu par Bill Gates. Je le dis très bien, l'intendant de la République là, Alpha Condé, c'est Bill Gates qui le soutient. Nana 50 000, 1 million, ils sont maïra. Si ce n'est pas lui, il est soutenu par lui. J'ai vu une vidéo de Hadjara Maïmonatoulaye qui s'en prend à Bill Gates. Elle a raison. C'est Bill Gates qui le soutient. C'est pourquoi chaque fois il dit le nom de Bill Gates. Vous n'entendez aucun cadre. Il ne cite pas des cadres. C'est Bill Gates qui cite. Donc c'est lui qui l'encourage à s'en prendre aux gens. Ajoutez Bill Gates dessus aussi. Parce que le respect, ça se mérite. Il nous barre ma talari. Attendez, je vais appeler Tata Kourou. On nous barre ma talari. Regarde, vous voulez que les gens fassent quoi? Tata Kourou, j'ai activé là. Diaroul, si tu es là aussi, après toi. Un chien enragé là. Il vient, Mirbal qui kobi. Demain, mon ami, il manque le respect aux gens. Mon respect, man. Allez, c'est ton ami. Tu ne peux pas lui critiquer, mais ne pas lui manquer le respect. Allez, c'est ton ami. C'est ton ami. Le Bill Gates que tu respectes là. Allez, c'est un million de fois. Maudit que vous êtes là. On va aller avec Tata Kourou. Après, on va dans la ligne. Non, franchement, un moment, il faut arrêter. Porta Omar à tout. Fatigant. Ouais. Où? Comment ça, mon frère? Diaworake. Adi. Ah, ça va, mon frère, ça va. Ça va. Allez, Amouroulaye. Bon. Le sujet que tu as. Oui. Bon, là, je ne sais même pas de qui tu parles, mais je connais la personne. Oui. Tu sais, il y a un problème en Guinée Fariga. Quand le manque de respect vient dans ta propre famille contre toi, oui, personne ne va te respecter. Absolument. C'est ce qui trouve Elias Seruna aujourd'hui en Guinée. Mm-hmm. Tout ce que Elias Seruna est victime aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est le soussou. C'est le soussou. Il n'y a rien à dire. Tu vois le maudit là, cet enfant là. Oui. Cet enfant égaré là. C'est eux qui ont mis le monde dans le dos de Elias Seruna. Moura, non, il faudra mourir. Oui. Politique non arabe la Guinée. Mais vous dites ça qu'à la Tori, Facebook Farebea, Facebook Fareya, quand Gawan s'était attaqué à Elias Seruna et Fodoussou, Jim Milner B.A. Baredera, alors foutre un réel combi. Tout à fait. Combinant tout fini, Manike Raiki, né à Humeri. Mirio, faut n'arriver à les Yaru, les autres là. Tu vois, moi, souvent, il y a des débats, je préfère me tenir à l'écart parce que non, il bouffe là-bas. On a Kankan,
Kangangai Blessa dit à Mamou, Soina, elle a un combi, fait ce vous parlez. Parce que Soina Nema, Soina Nema a combi. Oui. Soina Nema a combi. Dis, ce qu'a fait Tomini Bé, on a fouta, imam, le sale, le calife de fouta. Gavardo, elle a sa voix critiquée. Elle n'a pas combi à critiquer Nene. Mais à Colomta, Frané B. Le combat de chaque affaire n'est pas noble. Mais ce seul monde a compris. C'est manipulé ce gars. Oui. Non, il faut bien. La Guinée, Fariga. Ah, même oui. Le rond de Eva Migine de Fara la Guinée, dit politique, dit comme il fait ma Facebook. Mais ouais. Il nous dit soirée ton Facebook va. Dis ça de combiner de mettre sexe à gros. Oui. Mettre sexe à côté Kelly, à la combi, n'a pas mini. N'a pas fallu, mais si tu es homme, si tu es vraiment homme, sors encore, tu ouvres ta sale gueule là. Il mettre sexe à condamné. Oui. Je connais ce monsieur là jusqu'à sa famille. Tous les enfants que sa maman a donné naissance sur cette terre-là ont un problème mental. C'est-à-dire, la folie est une maladie héréditaire dans leur famille. Oui. Alors, maintenant, le coco tabla les cas fatomasia. Ni ka tabla. Faton ka tale non. Oui. Quelqu'un qui a raté sa vie. Plus de 25 ans, il est en Mozambique. Oui. Il y a une femme griotte qui a quitté Kanka. Tu sais, mannequin, ma langue, bon, il n'a rien qu'une. Là où les mannequins se regroupent, là, il y a des griottes souvent qui vont là-bas pour avoir un peu de l'argent. Tel que Angola, tel que Mozambique. Alors, battez vous une Banachi. Et me regarde, une femme, il y a une manière à se me regarder. Tu comprends? Oui, oui, oui. Cette femme a confié 25 000 dollars à ces maudits-là. Alors, on a quoi le don? C'est les malinqués de Mozambique qui ont saisi ces deux maisons, là où il avait investi à Kanka, revenu pendant un procès de 1 an pour rembourser l'argent de la dame et la dame est rentrée. Quand le monsieur a été mis en prison, la main sur le Coran, c'est le Coran qui est là comme ça. Je ne suis pas en abolition, sinon j'allais prendre le Coran. C'est moi que les femmes, que certaines femmes malinquées de Mozambique ont appelées. Elles m'ont demandé, frère, Soirée est notre frère, Soirée est malade. Battez-vous pour que Soirée sorte de la prison. Ce qu'il a, j'ai dit Soirée sort de la prison. Ce qu'il faisait au père, vous étiez là-bas ou pas? On était là. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit. Mais il ne nous a pas écouté. J'ai dit, mais s'il ne vous a pas écouté, laissez-le maintenant. Mais les dames m'ont tellement prié que sa femme, ses enfants sont dans la galère indescriptible, la pauvreté. Qu'il faut les sauver. Moi, je suis rentré en contact avec 4 ministres guinéens, dont je vais taire les noms. Mais il y a un même qui m'a dit que, en Guinée, si lui, il parvient à rencontrer ce monsieur-là, il va le mettre en prison. Un ministre du RPG. Donc, il faut un incident en Guinée. Frère, tant qu'il n'y a pas un incident majeur, contre les injures là, Amoudama. Amoudama, oui. Alors, Amoudama. C'est fini. Amoudama. Et regarde. Sila Belgeti. Oui. Sila Belgeti. Sigrin Kanera. Normalement, on y en a quand sorti Kemo Kumbi. Oui. C'est Sigrin sorti Kemo qui devait être insulté à la place de Kankan. Parce que le silence qui le soutient là, il est le Sigri, il n'est pas le Kanka. Oui. Mais ce monsieur, lui-même, il est déraciné plus que n'importe qui. C'est un monsieur qui a justement montré, c'est-à-dire son appartenance à Sigri parce qu'il voulait avoir des privilèges au nom de Sigri. Sinon, sa maison, sa cour finie. Moi, de la 7e jusqu'à la terminale, la maison qu'il a bâtie à Sigri là, même il n'y avait pas un chien dedans. De la 7e jusqu'à la terminale.
c'était hermétiquement fermé. Il n'est jamais venu à Figuerine à l'époque. Oui. Mais comme on est entré, chacun s'adosse maintenant d'une ville pour être aux affaires, il a fait ressortir maintenant. Il n'y a pas un fils de Sigri qui soit décrié par les ressortissants de Sigri pour que cela me le guette. Donc aujourd'hui, soirée est où? Il est à Conakry. Oui. Nous, on est chez qui à Conakry? On est chez les Baga et les Soussou. Absolument. Et un maudit blogueur sort sur Facebook. Insulter le doyen d'âge. Pas même le Soti Kemo. Tu sais, il y a la différence entre le Soti Kemo et le doyen d'âge. Tout à fait. Oui. Chez nous, par exemple, en Sigiri, c'est celui qui est plus âgé que tout le monde dans nos villages qui est Soti Kemo. Même si tu es belle. Mais à Kanka, ce n'est pas ça. Kanka, il y a plus de 1000 personnes qui sont plus âgées que le Soti Kemo. Parce que là-bas, c'est un problème de famille Kaba. Oui. Est-ce que tu comprends? Donc, Hélène Seguna et le Soti Kemo de Kanka, ils n'ont pas le même, ce n'est pas le même statut. Absolument. Le doyen de Kanka est... Tu verras des gens à Kanka qui ont leurs fils qui sont plus âgés que le Soti Kemo. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, je comprends, je vois. Tel que quand tu prenais le père de Koutoubou, avant de mourir, mais le père de Koutoubou était 1000 fois plus âgé que le Soti Kemo de Kanka. Oui. Est-ce que tu comprends? Donc, Hélène Seguna d'abord, en âge, pas même le rôle, mais qui va maintenant qui va bailler dedans moi la luma quoi il est dans la bon oui ça voulait à cagner le commenter luma oui est-ce que tu comprends il a donc si nous sommes dans les rois est-ce qu'on est à bord là hein. Très bien, c'est qu'il n'y a personne. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, les fils de la basse-côte qui sont avec ce régime-là détestent Hélène Seguna parce qu'il ne s'est pas mêlé dans cette affaire de troisième mandat. Donc pour eux, même si on déshabille Hélène Seguna, ce n'est pas leur affaire. Sinon, toi, tu penses que quand un fils cadre de basse-côte s'élève contre Oumar Houlala Soréla, qu'il va oser insulter Seguna? Oui. Est-ce qu'il va l'insulter? Oui. Il ne va pas le faire. Mais aujourd'hui, ceux qui sont cadres, qui sont de la passe-côte, sont contents même que Hélène Seguna soit humilié. Et regarde ce que la police a fait à Hélène Seguna. Allez le gazer jusqu'à son domicile. Qui a dénoncé? Et personne n'a parlé. Le gaz est dans le gouvernement, les sous-sous qui sont là-bas, personne n'a condamné. On va gaz. Personne. On l'assiège même, quoi. 24 heures. Donc, maintenant, voilà, ma belle. Hey, ceux qui sont en train d'insulter le Soti Kemo de Kankan, je peux les comprendre. C'est vraiment, ça fait mal, mais ce n'est pas la solution. La solution, là, ils n'ont qu'à s'aimer d'abord entre eux et en basse côte là-bas. C'est là où il y a le problème. Que quelle que soit la position politique de Hélène Seguna, qu'aucun autre. Parce que Nana Bafeiki, Sosodi Mounouna, Halina RPZ, il y a Soussaïga dans Facebook, Farega Hélène Seguna Kombi. Amoussousama Ka. Il a tout, si peut-être Nana Bama. Ce qui est vrai à tourner, il est lâché par ses propres fils. Absolument. À cause de la politique. Oui. Je ne regarde jamais cette vidéo. Jamais de la vie. Mais il bénéficie aujourd'hui d'une impunité totale, au même titre que Sekafan. Où est Jovan? Oui. Ces gaffons passent tout son temps en train de brûler, les plantations de Peul là-bas. Qu'est-ce qui sort de là? Rien. Il insulte la communauté Peul. Ces gaffons. Donc aujourd'hui, il y a deux personnes en Guinée. Il y a ces gaffons
et y a Oumar Boulay la soirée. Mais maudit la loup. Voilà, donc si, si les autorités judiciaires ne jouent pas leur rôle, hein, maintenant, si les citoyens s'élèvent, mais ce que moi je c'est ce que je dis, UFDG pas. Ce qui est le cas de Ella Sognaba, c'est qu'ils sont en manque de stratégie. Fadiga, nous on a trouvé la solution ici. C'est qu'à fond, n'a aucun garde du corps. Oui. Il n'a aucun garde du corps. S'il était pris de cibles deux ou trois fois tout de suite, Fariga, il n'allait jamais insulter la communauté PL. Oui. Ça, c'est clair. Hein. C'est clair. Il n'allait jamais insulter la. Mais oh, c'est les gars qui manquent de stratégie. Ils manquent de stratégie. Ces gars-là sont où? Ils ne sont pas cachés. Ils n'ont pas de garde du corps. Et regarde. Soirée insulte, c'est on a. Soirée va à Kaloum tous les jours. Il n'est pas caché, il est dans le bureau de Sylla Brigade. Toutes ses vidéos, il semble qu'il il les fait dans le bureau de Sylla Brigade. Si les jeunes de Conakry immobilisent la voiture de Sylla Brigade, Soirée va insulter encore c'est on a. Il n'osera pas. Il n'osera pas. En tout cas, c'est pas sincère ce que les gens font. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Quand l'UFDG, à travers Ousmane Gawal ou Fore Oussou, ont manqué de respect à l'Estagna, c'est les femmes de la basse côte à l'époque qui sont sorties manifester à Kaloum. Oui. Mais c'était de l'hypocrisie. C'est les cadres sociaux qui sont dans le gouvernement qui ont poussé ces femmes-là, les mettre dans la rue. La manière dont vous avez utilisé pour pousser les femmes là dans la rue, pourquoi vous n'utilisez même pas la même manière aujourd'hui pour les pousser encore dans la rue parce qu'il est insulté par un gars du RPG? Oui. Tu vois, donc, si je parle ainsi, il ne faut pas que cela choque mes frères Soussou, mais ce que je dis maintenant, Flamique, c'est là le problème. La lâcheté d'abord, c'est en basse-côte là-bas. Si les jeunes de basse côte s'élèvent. Ok, merci beaucoup Tata Kourou et on te remercie encore. On reviendra toujours près de toi parce que tu es un as. Merci beaucoup mon frère. Mais vous aussi, vous avez humilié le monde entier hier. Miserable, ma kologo. Rentre dans l'histoire là, qu'est-ce qu'on a fait là? Hey, arrête ça. I don't like those guys. Don't you know what happened in in Washington DC? J'ai pas compris. Je n'étais pas au courant, je te jure. Don't you know what happened in Washington DC yesterday? Oh yeah. I got you. With Donald Trump in Capitol. Bata. Sincerely, you ashamed the democracy. No, forget that one. It is shameful. It is shameful. Yeah, forget that one. This is USA. We are talking.